se demande, est-ce qu'après le divorce, on a une fille épanouie? Je dirais, vous avez raison, en effet, le divorce est difficile à vivre. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, il est difficile à vivre. Cependant, dans la société dans laquelle nous vivons, il est encore plus difficile d'être femme qu'homme dans cette situation. Et c'est une opération très lourde à porter sur ses épaules. Être appelé divorcé, c'est beaucoup de conséquences et de jugements et de préjugés. Est-ce qu'il est possible de vivre heureux après un divorce? Je dirais que tout est possible. Cependant, ça demande beaucoup plus d'efforts. Ça demande un engagement personnel. On se demande, est-ce qu'après le divorce, on a une vie épanouie? Je dirais, vous avez raison, en effet, le divorce est difficile à vivre. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, il est difficile à vivre. Cependant, dans la société dans laquelle nous vivons, il est encore plus difficile d'être femme qu'homme dans cette situation. Et c'est une opération très lourde à porter sur ses épaules. Être appelé divorcé, c'est beaucoup de conséquences et de jugements et de préjugés. Est-ce qu'il est possible de vivre heureux après un divorce? Je dirais que tout est possible. Cependant, ça demande beaucoup plus d'efforts. Ça demande un engagement personnel. En quelques mois, 4-5 mois, nous avons décidé de nous marier. Il est reparti le temps de préparer cet événement pour revenir. Un mariage a eu lieu. On n'a pas tout établi ici. On a pris encore un peu de temps afin de bien s'établir. Et voilà, l'histoire a commencé. Vous avez eu quand même le temps de vous connaître en étant aussi adulte, ou vous vous connaissiez déjà assez mieux, parce que 5 mois après, il revient, et vous vous décidez du coup de vous marier. De vous marier, vous savez, c'est ce que je... On se demande, est-ce qu'après le divorce, on a une vie épanouie? Je dirais, vous avez raison, en effet, le divorce est difficile à vivre. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, il est difficile à vivre. Cependant, dans la société dans laquelle nous vivons, il est encore plus difficile d'être femme qu'homme dans cette situation. Et c'est une opération très lourde à porter sur ses épaules. Être appelé divorcé, c'est beaucoup de conséquences et de jugements et de préjugés. Est-ce qu'il est possible de vivre heureux après un divorce? Je dirais que tout est possible. Cependant, ça demande beaucoup plus d'efforts. Ça demande un engagement personnel. En quelques mois, 4-5 mois, nous avons décidé de nous marier. Il est reparti le temps de préparer cet événement pour revenir. Un mariage a eu lieu. On n'y a pas tout établi ici. On a pris encore un peu de temps afin de bien s'établir.
voilà, l'histoire a commencé. Vous avez eu quand même le temps de vous connaître en étant aussi adulte, ou vous vous connaissiez déjà assez mieux, parce que 5 mois après, il revient, et vous vous décidez du coup de vous remarier. De vous remarier, vous savez, c'est ce que je... se demande, est-ce qu'après le divorce, on a une fille épanouie? Je dirais, vous avez raison, en effet, le divorce est difficile à vivre. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, il est difficile à vivre. Cependant, dans la société dans laquelle nous vivons, il est encore plus difficile d'être femme qu'homme dans cette situation. Et c'est une opération très lourde à porter sur ses épaules. Être appelé divorcé, c'est lourd de conséquences et plein de jugements et de préjugés. Est-ce qu'il est possible de vivre heureux après le divorce? Je dirais que tout est possible. Cependant, ça demande beaucoup plus d'efforts. Ça demande un engagement personnel. En quelques mois, 4-5 mois, nous avons décidé de nous marier. Il est reparti le temps de préparer cet événement pour revenir. Un mariage a eu lieu. On n'est pas tout établi ici. On a pris encore un peu de temps afin de bien s'établir. Et voilà, l'histoire a commencé. Vous avez eu quand même le temps de vous connaître en étant aussi adulte, ou vous vous connaissiez déjà assez mieux, parce que 5 mois après, il revient et vous vous décidez du coup de vous remarier. De vous remarier, vous savez, c'est ce que je... Quelques mois, 4-5 mois, nous avons décidé de nous marier. Il est reparti le temps de préparer cet événement pour revenir. Un mariage a eu lieu. On n'est pas tout établi ici. On a pris encore un peu de temps afin de bien s'établir.
l'histoire a commencé. Vous avez eu quand même le temps de vous connaître en étant aussi adulte, ou vous vous connaissiez déjà assez mieux, parce que 5 mois après, il revient, et vous vous décidez du coup de vous remarier. Vous savez, c'est ce que je